Olé! Dale! Dale! Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est en Ardèche et on a rejoint le Gaynor Tour. C'est un rassemblement qui est organisé par Enzo de French Cliff Connection et ça réunit les meilleurs athlètes mondiaux en cliff diving. C'est sur une semaine, on fait plein de spots tous les jours. Ça va envoyer du lourd, on va essayer de vous raconter tout ça à travers une petite série d'épisodes. Ça va être notre petit road trip de l'été parce que on est à fond sur le montage du film en ce moment. Mais là, pendant 10 jours, on est avec les showman du game pour vous montrer un peu le meilleur level en cliff diving. C'est le premier épisode. On est à Mazet Plage, qui est un spot dans l'Ardèche. C'est trop beau. On va manger un peu. Il y a pas mal de lutteurs. Ça commence à 15 et ça monte jusqu'à 28. Ça va saine. Je suis trop content. Il y a Flip Likes. C'est un mec que je suis depuis que j'ai commencé le parcours, clairement. Ouais, je vois des idoles, des gens que je suis depuis hyper longtemps, depuis le début, et je me dis, ouais, mais ces gens-là, en fait, ils nous connaissent. Et c'est trop stylé en vrai, ça fait trop trop kiffer. Là on est arrivé à Mazet Plage. C'est un spot qu'on n'a jamais fait avec la team. Du coup ça va faire plaisir de s'envoyer sur des nouvelles hauteurs. Mais par contre c'est un spot connu, du coup il va y avoir du monde. Oh, c'est impressionnant, putain. Oui, c'était tellement chaud. Et mais quand il ouvre son maquette, il doit dire yeah. On se fait un petit saut à trois avec Enzo. Tu vas où, là? Arrête. En vrai, j'avoue, je vais pas mentir. Moi aussi, ça me met la pression. Un premier saut de la journée, un 22 mètres, ça réveille, quoi. 3, 2, 1, let's go. C'est marrant à le faire. J'ai pas eu un beau début là, je me suis dit, oh, prendre un 22 en premier saut, ça a piqué, mais au final, pas du tout. Du coup, je pense que je vais le gainer. Ok. Allez, tu l'as. Ok. Ok, 3, 2, 1, salut. Trop chaud ici. Jamais vu autant de tricks en une session. Et genre ils font ça, ils sortent de l'eau, ils sont en mode ouais ben normal les gars. Mais non, c'est pas normal. What? Oh non.
Il y a un mec qui a plongé là. Et il s'est fait bien mal. Il est en bas de là en bas. Il y a plein de monde qui l'aide à nager, il peut pas du tout nager. Il n'arrivait même pas à parler en plus. Et ben là, ils l'ont ramené au bord. Ouah, ça fait bader quand même. Là, il est pas, il y a un blanc. Hein. Là, il est KO. Hein. Comme tu peux remonter. Chaise, les gars, une chaise. Attends, doucement. Ça prend les coups, c'est sûr. Le gros, essaye de le mettre dans la chaise. Ça, c'est ma chaise. Tu m'assois où maintenant? Oui, mais t'es quand même content de la prêter pour quelqu'un qui s'est blessé. Je sais pas quand tu sors. Oui. Chaque fois que je le filme, tout est joué. Il aurait pu ramener une chaise quand même. Alors, ah non, c'est pas ma chaise en fait. C'est pas je me suis trompé. En fait, c'est Quechua, mais moi, en fait, il y en a beaucoup des Quechua. Mais là, j'ai plus envie de sauter. Oh bah, mon gars, tout le monde va redescendre. Son plus haut c'était 11 mètres. Non. Il a fait à 14 mètres et il s'est chauffé, il a fait 21. Genre. 22. Une folie, gros. Ah oui, ok. C'est pour ça, les gars, qu'il faut toujours faire par étapes. Sautez, grillez pas les étapes, sinon vous allez vous. Ouf. On va aller visiter une grotte. Ah oui. Coucou. C'est bien. On va s'enfoncer dans les abysses là. Oh, il fait tellement frais. Si là. Il y a de la fraîcheur qui remonte là. Mais non. Ça pue là. En vrai, il doit y avoir tellement de bestioles qui viennent nous faire leurs besoins ici. C'est vrai que ça sent pas bon. Ça sent pas bon du tout. Oh les gars, il y a de la lumière là-bas. Oh mais ouais, là-bas il y a de la lumière. On voit pas la GoPro, mais là-bas il y a de la lumière. On a repéré un tout petit trou là avec les gars. On va aller voir si on peut passer dedans. Bon bah il est en train de grimper. Mais on va commencer à plus voir grand chose avec la GoPro là. Waouh! Ah ouais, c'est hyper stylé! C'est trop trop stylé en bas. Ouais, c'est quand même stylé. Ça a l'air bien sketchy quand même. Je pense que ça peut le faire quand même. Ce serait trop stylé qu'on arrive là-haut par ici. Ouais. Oui, bah on va casser des. Genre. Ouais, vas-y, là je te mets une prise. Tu tiens bien, parce que je vais tout mettre une fois. Ça va? Ouais. Ouais, je peux te pousser si tu veux. Ça a l'air chaud, ça a l'air très chaud. Mais là, on peut faire une prise, regarde. Puis moi, je monte là. Tu tiens? Ouais. Ah, ça tient. Ouais, là, ça tient. Non, mais. Vas-y, vas-y, mets. Moi, je te fais une prise. Je remonte, je te refais une prise. Tu veux choper quoi là? C'est bon? Ça va? Ça va? Tiens là, il y a du bon prix. On s'est tous là. Et du coup, il y a Romain qui est en bas. Ok, bon, tu vas bien, moi je suis bien. Il faut que Romain il monte. Mais je pense anciennement, il y avait des gens qui passaient par là pour faire de l'escalade. Moi je vais aider Romain. C'est là, je peux plus en. On va accéder au spot. Il y a des copains à un autre endroit. Nous on a trouvé une petite grotte là. C'est vraiment trop trop stylé. Oh! Mec, c'est ouf en vrai! Oh, on sent que la chaleur là comme ça. On était dans les entrailles de la terre, il faisait bien frais. Et là on commence à voir la lumière du jour, du coup il commence à faire chaud. Ok! Wouah! Oh, c'est tellement stylé! Après ce moment, grimpe. Il va falloir descendre, donc on va faire un petit jump. Ouais, ça change vraiment tout l'accès du spot. Ça le rend encore plus fou en fait. Par contre, c'est fou comment on sent que la grotte elle amène de la fraîcheur. Oh. Ouais, mais vraiment, c'est trop beau en vrai cette région. Là, je suis devant le 29 mètres là. Ouais, c'est terrifiant. Il fait très très peur. C'est haut de ouf en fait. Hein. Faut réussir à pas se faire engrainer en fait. Et là, comme je suis tout seul sur la plate là, c'est bien. Moi, je peux bien voir et tout, mais. Le problème c'est qu'il faut prendre de l'élan. Et là quand tu pars d'ici, et bah tu vois pas en fait que t'atterris dans de l'eau.
Vous avez tous envie de sauter là? À moitié gros. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est lui. Baranibak d'ici là. Super, 29 mètres. Oh, il y a du monde sur cette plateforme. Il y a beaucoup, beaucoup de monde sur cette plateforme, les gars. Ah, j'ai pas dit à maman que j'allais faire le gagner tour. Toutes les mamans du G-Tour. Pas vous, mais la mienne, elle nie tout ça. Hein, ça n'existe pas. T'es chaud ou quoi? Allez, mon gars. Allez, gros. Allez, donc, c'est Rosa l'animal. 2, 1, salut. Le airtime, il est tellement long. Oh, c'est abusé. Hein. Ok, allez, 3, 2, 1, tenez. C'est le coup. 5, 4, 4, 3, 2, 1, tenez. Ok, les gars. Allez, comment on va partir? Allez. 3, 2, 1, salut! J'ai les 4 mousquetaires là, je sais même pas à qui va partir. Tu vas partir. Que ça va sûrement partir en back full back. Hein. C'est sur un moment que je veux le faire, normalement il n'y a pas de souci. Okay. On fait back full tout à l'heure, là, 14 ouais. mètres pour avoir une prépa histoire d'être sûr que ça passe. Okay. Il est passé nickel, donc ça va le faire. Ok. Back, j'attends bien. Full back. Et je lande. Allez, 2 minutes et ça part. Voilà, Maxime, il est en train de visualiser son tricks. Il est en train de prendre le temps qu'il faut pour faire redescendre. Allez, il y a toute la pression des autres sauts. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, salut. Voilà. Vamos. Voilà, il est full, full. Ok, bro. Doing the same one. Same one. Yeah. He said, I'm gonna do it, and I'm like, bro, I'm joining you. Come on, bro. Bam. Ready? Watch out, watch out! Okay, calm me down, bro! Woo! Get it going! Let's go! 3, what? C'est incroyable. Et là, il a envoyé toute sa life là. Let's go! Moi, ce que je trouve ouf, c'est que genre chaque année on dit cette année c'est fou, ça peut pas être pire l'année prochaine. Et genre là c'est encore pire que l'année prochaine, et l'année prochaine ça sera encore pire. Mais c'est abusé en vrai. Ouais. Non, ils sont très très forts. Il y a du très très haut niveau. Franchement, et puis en plus, quand tu les vois partir, tu te dis ouais, bah tranquille. C'est bon, ouais, c'est bon. Genre ils maîtrisent tellement que. C'est ça en fait, tous les mecs qui sont hyper chauds en cliff, bah en fait ils font tous du trampoline. Genre ils font tous du trampoline, ils font v'là les tricks et tout ça en trampoline, et du coup bah ça les habitue.
Et quand ils arrivent sur un spot, ils font ouais, bah c'est parti. Et en fait, ils ont déjà tous les repères. Ça va se préparer à faire des petites singeries. Il y a Vlado qui est en train de setup son drone, faire un peu de FPV. Il y a un peu moins de monde là, donc ça va être mieux. Voilà des Romains, ils sont en train de se calibrer. Romain il a pris un caillou et là quand il passe, Romain il doit jeter le caillou. Ah il a tourné vite ouais. Le plan drone live est insane. Fin de session, il y a eu les derniers sauts de la journée, presque au coucher du soleil. C'était une sacrée session, ça fait vraiment trop plaisir de voir tout le monde s'envoyer comme ça. Si vous voulez suivre tous les mecs qui sautent, on met tous les instants en description. Et nous là, on va aller se trouver un petit camping sauvage pour dormir. On se retrouve là-bas. J'ai trop bien dormi.